Près de 150 millions d'équipements médicaux de dernière génération acquis par la municipalité de Porte-Nouveau, dirigée par le maire Charlemagne Nyankoti, sont mis à la disposition des 12 formations sanitaires de la ville. C'est au cours de la cérémonie tenue dans l'enceinte de la mairie, ce mercredi 5 juin 2024, que les acteurs sanitaires ont officiellement réceptionné les matériels. La mairie de Porte-Nouveau a opté pour l'équipement de nos centres de santé sur un financement du fonds FADEC que nous appelons FADEC COVID. Tous les équipements qu'on a achetés, c'est grâce à l'appui de la direction départementale de la santé et surtout du médecin coordonnateur. C'est vous dire combien la mairie est préoccupée par la qualité des soins qui sont donnés à nos concitoyennes et nos concitoyens. Cette action qui traduit la volonté du conseil municipal d'offrir les meilleurs soins de qualité aux populations est saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. On n'a pas encore vu ça dans une seule commune au Bénin. Je vous dis vraiment, c'est du jamais vu. Équiper chaque centre de santé d'une ville, échographie, concentrateur d'oxygène, aspirateur, pèse-personne, appareil à tension, je ne peux pas tout citer. Vraiment, c'est pourquoi je dis que c'est déjà mieux vu. Ce don permettra sans nul doute d'améliorer le plateau technique de nos centres de santé et une meilleure prise en charge de nos patients. Permettez-moi de témoigner toute notre gratitude à l'endroit du maire et de son équipe pour la énième fois de remise officielle de matériel médico-technique au profit de nos formations sanitaires de la ville. Et je vous rassure que nous ferons bon usage de ces matériaux. Tout en invitant les bénéficiaires à un bon usage des équipements médicaux, le maire Charlemagne Nyankoti, soutenu par le conseil municipal, affirme désormais que les populations peuvent se rendre aux soins en toute sérénité. Il y a pas mal de choses dont on a connaissance. Les ressources que nous utilisons aussi, c'est des ressources qui sont affectées. Mais nous l'avons utilisé à bon escient et nous en sommes fiers. J'espère que vous êtes fiers également. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence massive. Remercier le médecin coordonnateur, le directeur départemental de la santé surtout, pour le travail de qualité qu'ils ont eu à faire à nos côtés. Je remercie l'équipe technique de la mairie aussi. La réception de ces importants lots de matériel est une réponse aux promesses faites lors de la tournée de diagnostic effectuée par l'équipe diligentée par le maire Charlemagne Nyankoti en avril 2023.